Depuis maintenant plusieurs années, les studios et sociétés de production cherchent la nouvelle franchise, la nouvelle saga de divertissement capable de générer un engouement populaire et des films au succès toujours croissant. La volonté est de reproduire les miracles des sagas phares telles que Star Wars à l'origine de cette mentalité, mais aussi les adaptations littéraires à succès plus récentes telles que les films Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Ces triomphes commerciaux ont largement mis l'eau à la bouche de nombreux studios, cherchant depuis lors soit la nouvelle œuvre culte à adapter, soit la franchise historique à ressusciter d'entre les morts pour espérer générer des profits substantiels. Mention spéciale évidemment au Marvel Cinematic Universe et aux adaptations de super-héros en général, qui fort d'au moins deux décennies à dominer le box-office, commencent enfin à perdre leur souffle, laissant peut-être la voie à une nouvelle ère ou une nouvelle franchise. Mais, et le spectateur dans tout ça? Où nous plaçons-nous, nous public, face à cela? Sommes-nous véritablement à la recherche d'une énième saga à suivre sur plusieurs années? Une énième franchise qui servirait de marqueur soi-disant générationnel? Un énième univers de fiction qui nous pousserait à théoriser ses histoires, à revoir chacun de ses détails à la recherche d'un sens caché? Ou alors, sommes-nous lassés de cela? Avons-nous trop réfléchi sur ces sujets et sommes devenus incapables de nous émerveiller sur de nouveaux univers? Peut-être a-t-on simplement vieilli? Ou alors ça y est, le cinéma a perdu toute sa créativité, et il est impossible d'avoir quelque chose de réellement neuf et authentique, à moins d'une véritable révolution. Tous ces questionnements, je les ai depuis plusieurs années désormais, et ils étaient bien présents au moment où je me décidais enfin à visionner les deux volets de Dune de Denis Villeneuve. Alors oui, pour commencer, les deux films en eux-mêmes ne sont pas dénués de défauts. Bien au contraire. D'abord, le sentiment d'inachevé des deux volets est bien présent. Bien que proposant chacun une fin à leur histoire, le sentiment d'un film teaser pour un prochain volet est malheureusement bien là. Un manque flagrant d'une conclusion satisfaisante, où les protagonistes ont réellement terminé leur voyage, m'a frappé pour chacun de ces deux films. Certains choix esthétiques et narratifs laissent aussi un arrière-goût de vide. La représentation de l'univers, dans un style brutaliste, épuré et froid, peut ainsi décevoir. La narration par l'image, notamment sur le traitement de l'épice et des visions du personnage de Paul, aurait pu être un terrain d'expérimentation visuelle sans précédent. Eh bien non. Le choix a été de rendre cela réaliste et peut-être un brin ennuyeux, voire inhabité dans cette adaptation. Mais il s'agit tout de même d'un choix artistique qui fait sens dans l'œuvre proposée. Et reprocher cela à Dune est assez malhonnête au final. Je reproche en effet au film de ne pas être quelque chose dont ses créateurs n'avaient eux-mêmes pas envie. Un autre exemple de ce décalage est le traitement des personnages, présentés avant tout comme des figures mythologiques plutôt que des êtres faillibles auxquels on pourrait s'identifier. Cela crée une distanciation certaine entre le spectateur et les héros que l'on suit, nous détachant peu à peu de ce qui leur arrive. Un exemple frappant est le volte-face de Paul Uzul Mouadib Atreides, qui alors qu'il était montré comme un jeune homme torturé, empli de doutes, et ayant une aversion profonde pour certaines croyances de ses proches, devient sans transition un véritable dévot, convaincu du bien fondé de ses actes. Évidemment, ce traitement est nécessaire pour faire avancer l'intrigue, et là encore, quelques éléments nuancent un peu ce changement dans le personnage. Mais il en ressort en fin de film que ce ne sont pas des individus héroïques, identifiables auxquels on aurait pu s'attacher, mais plutôt des avatars, des symboles un peu vides, porteurs d'une histoire et d'un univers plus riche qu'eux. Tout cela, malheureusement, rompt le sentiment de vraisemblable et de merveilleux de ses œuvres. Certes, on a là un récit plus universel et accessible à tous, mais à mes yeux, moins personnel et plus artificiel. Je pourrais aussi parler de certains effets visuels inégaux, où les incrustations et images de synthèse baveuses témoignent d'une production empressée et imparfaite. Mais au final, que reste-t-il? Si j'ai décidé de parler de ces films, ce n'est pas juste pour énumérer une liste de défauts ou simplement de dire s'il s'agit d'un bon film ou non. Non, mon idée est de revenir sur quelque chose de plus fondamental, de plus important. Pourquoi malgré tout cela, malgré tous ces défauts, malgré tout le boucan fait autour de ces films, eh bien,
j'ai quand même envie d'y revenir. Que reste-t-il au final? Un point qui saute aux yeux est la richesse et la vraisemblance de l'univers présenté. Que ce soit par le soin apporté aux détails, et surtout à des points très triviaux et concrets, le traitement de l'eau, les nombreuses scènes de repas, la médecine, les vêtements et l'étiquette politique, même les technologies, mélange d'éléments familiers et totalement inconnus, tout ce qui apparaît à l'écran semble avoir vécu et semble pouvoir fonctionner. Cet amour du détail est aussi complété par quelque chose de plus difficile à décrire et à retranscrire. Cette chose, c'est l'atmosphère de Dune. Le choix du brutalisme des architectures dont je parlais plus tôt, avec ses échelles démesurées, ses personnages mythiques et cette bande-son atmosphérique, tout cela crée une ambiance très particulière et intrigante. Un sentiment d'exotisme et de gigantisme qui nous interroge et nous accroche à ces films. On ressent à travers l'écran un amour sincère pour l'univers que les techniciens, artistes et tout intervenant sur ce projet ont voulu transmettre dans ces films. Alors bien sûr, les nombreuses interviews et autres vidéos de l'envers du décor sentent bon le marketing et la stratégie commerciale. Mais malgré tout, et peut-être suis-je un peu naïf, j'ai le sentiment que les créatifs derrière ces œuvres étaient des personnes investies et passionnées, loin de ce que bon nombre de dernières productions grand spectacle actuelles pouvaient laisser discerner. Alors, au final, que reste-t-il vraiment des films Dune de Denis Villeneuve ? De la fascination. L'envie de revenir à cet univers, d'en apprendre plus sur ses détails, car on sent bien que beaucoup de choses se cachent encore derrière ce qui nous a été montré. Ces films habitent l'esprit et l'imaginaire, en marquant par leur visuel, leur son. Au final, c'est cela que je retiens. L'envie de creuser davantage à l'intérieur de ces œuvres, et surtout, après bien trop longtemps, avoir un film qui nous donne l'envie de voyager vers des horizons inconnus.